Ça fait très longtemps, je pense, vraiment moi. Au tout début, c'était. L'idée est venue, je crois, de Kurosawa, du rapport au cinéma. Cette envie d'écrire un roman qui se passerait au Japon et au départ, qui devait avoir pour personnage principal un samouraï. Et c'est une idée qui est née en même temps que celle de Western. J'ai beaucoup hésité entre les deux romans, et puis finalement, j'ai écrit d'abord Western. Et ensuite, je me suis remise au roman japonais, que j'ai repris, et puis laissé tomber pour d'autres projets, repris, et qui donc a évolué. Et finalement, Yasu, le personnage principal, n'est plus un samouraï, parce que ça aurait sans doute fait un petit peu double emploi avec mon cow-boy. Ce qui est resté du projet initial, c'est la structure, c'est-à-dire un homme qui marche dans la forêt et une femme qui attend dans la maison de papier, dans les montagnes. Ça, c'était la structure de départ qui est restée. Et ce qui a changé, c'est l'objet de la quête et le fait que Yasu parte à la recherche de son oncle qui s'est évaporé quand il était enfant. La fable qui hante ce roman, c'est à la fois la structure de l'Odyssée qui était présente dès le départ et qui est donc cette structure où une femme attend dans une maison pendant qu'un homme marche. Et ces deux pôles de la maison et du monde. On a souvent dit que j'aimais bien les espaces intermédiaires, les terrasses, les auvents, qui sont encore la maison et déjà le monde, qui sont des espaces mixtes comme ça. Et c'est vrai que pour moi, c'est une bipolarité, la maison et le monde, c'est aussi un titre, un film de Satyajit Ray, qui est très. Qui structure vraiment les récits. Et puis il y a aussi la femme du fils prodigue, qui est une femme qui me hantait quand j'étais enfant. À cause du désir de fugue qu'on a tous, des fugues qu'on a rêvées enfant, et aussi à cause de la scène des retrouvailles et de l'étreinte du fils par le père. Et voilà, c'est aussi une fable qui hante la littérature contemporaine, le théâtre de la gare, c'est évidemment qui rejoue constamment ce retour, ou encore le roman de Stevenson, le roman que Stevenson écrit juste après Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le maître de Ballantrae, qui est l'histoire de deux frères. On a un frère fugueur. Et je crois que ce sont deux histoires comme ça qui flottent à l'arrière-plan du roman. Western, c'était un roman de genre parce que ça m'amusait de jouer avec les codes du cinéma, puisque maintenant, pour nous, le western, ce qui est resté du western, c'est sa forme cinématographique. Ça m'amusait, mais c'était aussi chercher des points de convergence entre ce qui pouvait se passer dans un western et ce qui se passait déjà dans mon écriture, comme le travail sur les gros plans, par exemple. C'était pas chercher ce qui, dans le western, de manière. Ce qui ferait l'étoffe du western, sa structure, ses motifs, et ensuite essayer de les transposer, mais plutôt aller chercher des convergences. Je crois que dans le cas du roman japonais, ce qui se précise, c'est peut-être moins la question du roman de genre, ou du réinvestissement d'un certain nombre de codes, qu'au fond, le besoin que j'ai de déplacer mon sujet, de le déplacer à la fois dans l'espace, dans la géographie et dans le temps, c'est-à-dire le déplacer ici au Japon et dans un Japon ancien, le déplacer aux États-Unis, dans le western, mais dans une Amérique inventée et aussi du 19e, ou bien simplement dans une Amérique contemporaine, dans ma journée américaine. Et il me semble que ces déplacements, c'est un peu l'essence du travail de la fictionnalisation, c'est-à-dire que ce sont des fables. Ce autour de quoi tourne ce roman japonais, c'est la question de la fugue et la question de la disparition des êtres de la famille. Mais cette question-là, elle est traitée dans un autre cadre géographique, dans un autre cadre temporel, je crois à la fois pour épaissir le mystère, ce mystère qui est, autour duquel est construit le roman de la disparition de l'oncle, et aussi peut-être pour décaler la question, pour la. C'est aussi une sorte de pudeur d'être dans un autre univers, voilà, pour qu'elle ait des résonances vraiment fictionnelles. Il y a deux mystères, en fait. Il y a le mystère de la personnalité de l'oncle, des raisons de sa fugue, de son évaporation, de ce secret qu'il semblait contenir en lui, que Yasu croyait apercevoir enfant dans cette espèce de grand corps de l'oncle, qui était comme si le secret était une chose qui était physiquement contenue dans ce grand corps. Comme pour un autre personnage qu'on rencontre, la femme de Yasu, qui est au contraire la petite vieille voisine recroquevillée, comme si le fait d'être recroquevillée, c'était aussi contenir un secret dans le centre de son corps.
Il y a ce mystère-là de la personnalité longue, du secret qu'on contient, d'un secret qu'on contiendrait, et aussi le mystère de la personnalité de Yasu qui part à sa recherche et qui peut-être aussi s'évapore. Il y a un suspense aussi là-dessus, je crois. Donc, l'humour, c'est aussi de l'émotion. C'est pas le contraire de l'émotion, c'est aussi une émotion. Et je pense que depuis le départ, dans mes textes, il y a effectivement quelque chose qui se tisse entre la mélancolie et l'humour, mais qui serait peut-être moins deux pôles contradictoires que comme l'avers et le revers d'une même émotion. Et l'humour, les scènes humoristiques, les adresses au lecteur, par exemple le combat de samouraï auquel assiste Yasu et pour lequel je donne quelques conseils au lecteur pour le cas où il se trouverait pris dans cette situation de combat, quelques conseils sur des noms de stratégies de combat. Je crois que ces moments d'humour, c'est à la fois une pudeur pour atténuer la mélancolie et une façon peut-être paradoxale de la raviver ou de la dire autrement, et de créer aussi quelque chose de dynamique dans le texte entre ces deux tensions qui sont peut-être pas si opposées. D'abord, elle a une fonction sérieuse, c'est-à-dire elle correspond à une vraie inquiétude de perdre le contact, un vrai désir de le maintenir, d'essayer de créer cette relation avec le lecteur. C'est pas juste de l'humour, l'adresse au lecteur, je crois que c'est aussi une vraie inquiétude de le perdre. Et en même temps, le lecteur, c'est le grand absent quand on écrit, mais c'est aussi un absent qui est tourné vers une présence à venir. C'est-à-dire que si tout se passe bien, il y aura des lecteurs. Et donc c'est un absent, mais dont l'absence, au lieu d'être triste, comme peut-être celle d'autres absents dont le texte va parler d'une autre manière, est une absence optimiste, parce qu'elle est tournée vers une présence à venir. Et voilà, en ce sens-là, je pense que mes adresses aux lecteurs sont un vrai désir de construire, de garder le contact et de construire une relation qui va aussi s'élaborer sur le fait que même quand c'est un roman japonais, ou même quand c'est un western et que le personnage principal est un cow-boy, ce dont on va parler, c'est au fond d'expériences communes. C'est aussi bien de petites expériences quotidiennes, de ce qui se passe dans l'instant, de la texture de l'instant, de sa richesse, de sa complexité, des émotions qui nous assaillent à chaque instant, ou bien d'émotions plus importantes comme cette question-là de la fugue ou de la disparition. On va parler même au Japon ou même dans un western de ces territoires communs. Et ce qui m'intéresse, ce que je voudrais faire en un sens, c'est toujours parler du lecteur au moment où je parle du personnage, toujours sérieusement vous parler des émotions qui vous assaillent au moment où je parle de celle du personnage et sans doute des miennes aussi. Le fait que ça se passe au Japon, c'est à la fois une chose ludique, effectivement, et qui renvoie à ce qu'on peut avoir de culture commune du cinéma japonais ou de romans japonais qu'on peut avoir lu, une certaine idée qu'on se fait tout simplement de la littérature japonaise, qu'elle soit vraie ou fausse, ou une certaine absorption de ce qui nous vient du Japon. Donc il y a quelque chose là de ludique, mais je crois qu'il y a aussi une manière d'épaissir le mystère du roman, en tout cas dans ce roman-ci, en plongeant l'histoire dans des paysages de bambou, dans une étrangeté, qui est à la fois une étrangeté de la géographie, une étrangeté temporelle, puisque c'est un Japon ancien, qui va épaissir ce mystère, la disparition. Les sentiments peuvent être des personnages, on peut les voir combattre, on les sent combattre en soi. Déjà dans Nouvelle sur le sentiment amoureux, il y avait une nouvelle qui racontait ce combat-là entre deux sentiments opposés qui prenaient les armes pour combattre dans les entrailles du personnage et les objets, les choses minuscules, les flocons qui tombent dans l'hiver de ce roman japonais aussi. Les uns sont inventifs, vont surfer sur les courants d'air, ne vont pas hésiter à remonter, d'aller faire leur office et tomber pour napper le sol. Et puis d'autres, au contraire, sont des flocons beaucoup plus terre à terre et justement vont tomber au sol accomplir leur travail avec une obstination têtue. Mais ça aussi, c'est une manière de... Ça se rapprocherait plutôt de ce qui se passe au début du western sur les insectes qui se mettent à véhiculer une possible épopée violente quand le personnage principal est calme.
c'est une manière de déporter la question des sentiments, justement, sur les petites unités. Le personnage central, qui est une sorte de réceptacle d'émotions, est entouré d'objets ou de petites unités, ou d'animaux, ou d'insectes, d'êtres minuscules, qui sont chacun susceptibles de véhiculer une histoire. Il y a une sorte de pouvoir de la fable qui entoure, qui est un peu le milieu ambiant dans lequel vivent les personnages. Et du coup, en racontant ces histoires possibles qui l'entourent, qui sourdent et qui touchent aussi bien les êtres animés minuscules que sont les insectes que des êtres inanimés, ces petites unités qui chacun ont des petites épopées possibles, viennent conforter, viennent dire quelque chose du personnage principal, de son état d'esprit, viennent déplacent légèrement l'attention, mais pour refléter ses états d'âme, les choses qu'il traverse. Quand on prête des sentiments à ces petites unités, et soit animés, mais dont traditionnellement on ignore la psychologie comme des insectes, soit encore plus pour ce qui est inanimé, forcément l'humour s'engouffre, parce que forcément il y a quelque chose de drôle à penser qu'un flocon va être têtu, obstiné, travailleur, ou au contraire fantasque, rêveur. Et donc, si on le disait du personnage, serait dénué d'humour, devient drôle, et pourtant reflète aussi sa propre mélancolie, la mélancolie du personnage. Dans son enfance, habitait une maison avec son père et sa belle-mère qui s'appelait Sumiko. Et l'oncle venait parfois en visite. Son oncle est un petit côté John Wayne qui revient dans la maison de famille après la guerre. On ne savait jamais d'où venait l'oncle. Et son kimono tout rapiécé, tout poussiéreux, contenait un récit auquel on n'avait pas accès. Et une des hypothèses des raisons d'évaporation de l'oncle, ce serait qu'il aurait eu une aventure sentimentale avec la belle-mère de Yasu. Et donc le roman évoque aussi ces scènes à l'auberge où la belle-mère et l'oncle se retrouvaient. Il y a plusieurs scènes érotiques. Donc il y a les scènes entre la belle-mère et l'oncle dans l'auberge, qui sont des scènes répétées, qu'on raconte plusieurs fois. Il y a effectivement la scène où Yasu va chez son ami d'enfance qui vient de se marier. Il se couche de l'autre côté de la cloison de la chambre. Il se souvient comment, dans sa jeunesse, de part et d'autre de cette même cloison, il discutait avec son ami pendant la nuit. Et il entend la jeune femme de son ami qui veille à ce qu'on n'entende pas ses baisers, en fait. Et dans ce qu'il entend de cette retenue, sa présence à lui est accrue, puisque cette retenue, c'est aussi une manière. Il y a plusieurs scènes érotiques dans le livre. Il y a des scènes, effectivement, entre l'oncle et la belle-mère de Yasu, qui ont lieu dans une chambre d'auberge, et qui sont répétées et racontées plusieurs fois. Il y a la scène dans laquelle Yasu va chez son ami d'enfance qui vient de se marier, et au moment du coucher, entend de l'autre côté de la cloison, derrière laquelle son ami autrefois lui parlait jusqu'au tard dans la nuit, il entend la jeune femme de son ami qui s'efforce de retenir le son de ses baisers. Et dans cette retenue, ce que Yasu entend, c'est surtout la manière dont elle tient compte, du coup, de sa présence à lui. Et donc ce qui était retenu et ce qui était une manière d'essayer de l'écarter de la scène, c'est aussi une manière de faire entrer dans la scène. Il y a aussi des étreintes entre deux autres personnages, mais je ne vais pas révéler lesquels, parce que ça fait partie d'un. Il y a un petit suspense sur cette question-là, de cette relation-là. Mais l'érotisme est aussi, je crois qu'il n'est pas seulement contenu dans ces scènes d'étreintes physiques, il est aussi plus diffus, il est aussi en rapport au paysage, dans ces scènes dans lesquelles Sumiko se rend dans l'auberge dans laquelle elle va retrouver l'oncle et traverse le fleuve. Elle est portée à travers le flot, non par des porteurs, elle sent l'humidité du fleuve. Tout ce paysage humide du fleuve et que l'oncle et Sumiko sentent aussi depuis la chambre d'auberge fait partie aussi de cette texture de l'air qui est aussi
donne une atmosphère érotique. Alors dans cet érotisme, oui, on peut penser qu'il y a un lien avec les estampes japonaises, avec des estampes érotiques, puisque les estampes, c'est aussi des estampes de paysage, bien sûr. Il y aura un double travail sur la présence du paysage et la présence de l'érotisme. Je crois que c'est aussi... c'est pas seulement un jeu sur les estampes japonaises, c'est aussi voilà, une manière d'introduire ces moments-là de rencontre entre les corps dans le roman. Dans le roman, où je parle de moi, de choses qui me sont arrivées, de souvenirs personnels, c'est une chose que je faisais déjà dans les autres trois romans. C'est-à-dire que l'univers me semble un univers de fiction, mais tout à coup, il peut y avoir un petit moment qui va être un moment autobiographique. De même que je m'adresse au lecteur, que je sollicite son expérience, que je lui dis « vous avez sans doute éprouvé ça, vous avez peut-être vécu ça, etc. » Je m'immerge à mon tour dans le roman en racontant de temps à autre une expérience personnelle. Je crois aussi que cette manière d'insérer des souvenirs autobiographiques, c'est à la fois une manière, comme ça l'était aussi dans les romans précédents, d'essayer d'inventer une petite communauté d'expérience entre le personnage, le lecteur et moi-même, de montrer comment ces expériences circulent entre vous, moi et le personnage qui nous sert un peu d'intermédiaire. Mais c'est aussi une manière peut-être de laisser une trace, de garder une trace plus directe en fait de mon expérience. C'est-à-dire que la fiction, elle, bien sûr, elle reconfigure l'expérience, elle est une manière de, je crois, pour chaque écrivain, de dire quelque chose de son expérience du monde, d'en garder quelque chose dans cette espèce d'affolement devant tout ce qui s'évapore justement, tout ce dont on perd la trace, tous les instants, voilà, la dissipation de l'instant. La fiction, elle lutte contre la dissipation de l'instant parce qu'elle est une manière de reconfigurer nos expériences. Mais a fortiori, quand il y a des petits moments autobiographiques comme ça, alors là, c'est des instants purs qu'on essaye de conserver, non plus à travers les médiations de la fiction, mais voilà, dans une plus exacte ressemblance avec ce qu'ils ont été.